Then I'm the matching like Randy. The club will go out to the granny. Then make a pillow, you bandit. The killers understand. Salut, et ben vidéo sur ce smartphone qui est le Meizu 7 Pro. Et au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est que ben, c'est un très bon smartphone. Très bon smartphone. Sauf petite chose négative, c'est à propos des emails. Parce que comme dans beaucoup de smartphones, il y a ce système d'email où on peut regrouper tous ces comptes. Et ce qui est dommage, c'est que bon, moi j'en ai pas mal, et du coup, lorsque vous en avez plusieurs, sur certains téléphones, vous pouvez faire combiner. C'est-à-dire qu'il y a tous les emails qui arrivent d'un coup dans une seule boîte, en fait, qui permet de lire tous les mails qui y rentrent chaque jour. Que là, non, il faut en fait cliquer sur mail, compte par compte, parce qu'il n'y a pas le système combiné. J'ai essayé de prendre l'application qui s'appelle Email Blue, je crois, un chose comme ça, mais que j'ai pas trouvé concluant, parce qu'au final, il n'acceptait pas mes comptes Google, donc du coup, bah, j'ai carrément supprimé. Non, autrement, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est qu'il est très bien. Il est très bien, à part une chose, c'est que je l'ai pris pour me faire plaisir, mais au final, l'écran à l'arrière, c'est... ou bien serait pratique pour certaines personnes, mais pour moi, personnellement, je m'en sers pas du tout, je l'oublie même, totalement. Parce que voilà, donc ce serait bien pratique pour ceux qui font des selfies, des choses comme ça, mais moi personnellement je m'en sers pas du tout. Du coup, au final, il aurait mieux fallu que je me prenne un autre smartphone avec juste l'écran de façade, et parce que l'écran secondaire, au final, pour moi, bah, je m'en sers pas du tout. Donc l'appareil photo est nickel. La caméra, c'est pareil. Et celui qui est habitué pour avec les iPhones, au final, ne serait pas dépaysé s'il partirait sur Android, mais avec Meizu. Parce que Meizu, il faut savoir que c'est un peu la copie du iPhone, au final, hein, lorsqu'on regarde bien. Et voilà. Et lorsqu'on fait un geste comme ça, vous voyez, on peut totalement vider les pages qui restent en arrière-plan, qui libèrent un peu, mais qui est vachement pratique lorsqu'on veut repartir en arrière. Voilà. La dernière fois, j'avais eu un souci, vous vous rappelez, lorsque je devais partir, je sais plus où, voilà, dans les paramètres et choses comme ça, et je vous disais qu'il suffit de cliquer une fois pour revenir en arrière. C'est vrai qu'on peut faire juste comme ça plusieurs fois pour revenir en arrière. Eh bien, j'ai souvenir d'un ancien Meizu, et il suffit de cliquer une seule fois dessus, et au final, on revient sur la page d'accueil. Voilà. Il faut savoir que certains paramètres ne sont pas activés d'origine, genre, parce que je me suis aperçu, je ne sais plus quel jour, je crois que c'est avant-hier, lorsque j'ai envoyé un SMS, et puis au final, la personne ne le recevait jamais. Donc, pour quelle raison, je ne sais pas. Et au final, j'ai compris que dans les paramètres, il faut aller dans le compte VLAN. Voilà. Il faut aller dans paramètres avancés. Et vous allez dans commutation, réseau intelligente. Lorsque vous cliquez dessus, au final, il suffit de cocher cette option, qui vous permet de basculer d'internet aux données mobiles. Voilà, qui est vachement pratique. Voilà. Donc, au final, très bon smartphone. Donc, il faut savoir que là, on le voit pas trop, mais j'ai mis une vitre blindée dessus, qui est totalement intégrale. Donc, on ne le trouve pas sur les sites marchands comme Cdiscount, ou même dans les magasins spécialisés téléphoniques. Donc vous les aurez, en sachant que cette vitre là, j'ai dû le commander en Allemagne. Donc c'est une vitre qui part du bas,
et qui fait le contour du bouton Home et qui va jusqu'en haut au final. Voilà. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, la qualité n'y est pas, mais bon, dans tous les cas, l'écran est bien protégé. Mais il faut savoir qu'une fois que l'écran est éteint, on voit bon, les traces de doigts évidemment, mais on voit aussi que il y a des genres de lignes, des choses comme ça, qui se montrent et qui fait un peu dégueulasse, mais bon, au final, il est bien protégé. Vous avez aussi les options, je crois qu'il y a, voilà, double tape, vous voyez. Et autrement, lorsque vous basculez d'en haut vers le bas, comme ça, vous allumez aussi pour regarder les notifications. C'est vachement pratique lorsque vous avez le smartphone à côté de vous, lorsque vous dormez, qui vous permet de regarder les notifs. Voilà, juste faire un geste comme ça vers le bas. Et voilà, l'écran s'allume. Voilà, donc pour le prix au final, il est pas cher du tout. Et lorsque je disais comme ça que le lecteur d'empreinte n'était pas top top, au final je me suis totalement trompé parce que le lecteur d'empreinte il est très réactif et fonctionne très bien. Voilà, donc juste petit bémol avec l'application email. Lorsque vous avez tous les comptes, vous ne pouvez pas combiner, ce qui est un peu dommage. J'espère qu'avec la prochaine mise à jour, j'espère que cette option y sera. Parce qu'au final, ben, vous recevez les mails hein, dans la notif qui se trouve ici. Mais par contre, vous n'avez pas le système combiné qui vous permet d'avoir toutes les mails que vous recevez dans une seule boîte. Voilà. Lorsque vous faites ça, voilà, comme ça. C'est vachement pratique. Les notifs. Bon là j'ai rien mis sur les côtés hein. Mais bon, il n'y a pas de mode tiroir, vous savez, comme Huawei, qu'ils ont fait pendant très longtemps le même système que Meizu. Et Huawei maintenant vous avez la possibilité d'avoir le mode tiroir qui est vachement très bien, très très bien fait et bien pratique. Voilà, je pense que Meizu va s'y mettre aussi d'ici quelques temps. Sur ce, bye bye. Like Randy, the tropical ice of the granite. You make a pillow, you bandit. The killers understand it.